Nostradamus est né le jeudi 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence. Il mourut d'une crise aiguë d'arthrite le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. Il nous laisse un recueil de prophéties peu compréhensible, mais surtout très mystérieux. Ce recueil de prophéties se compose de la façon suivante. Le titre. Le titre sera le pseudonyme que Nostradamus va prendre pour la publication de son œuvre. Sans ce pseudonyme, nous ne pouvons pas décrypter les textes. Ensuite, une lettre destinée à son fils César en apparence. Cette lettre contient de nombreux éléments permettant de comprendre le principe de lecture. Elle nous indique la façon d'entendre les textes. Ensuite, la lettre à César sera suivie de 7 centuries. La première centurie contient dans les 22 premiers quatrains le principe de construction de la prose et la lecture de tous les textes, ce qui confirmera les éléments du pseudonyme et de la lettre à César. Ensuite, nous avons une seconde lettre adressée au roi Henri II, second. Nostradamus dit bien second, donc quelqu'un d'autre. Il se sert de cette lettre dédiée en apparence au roi de France pour obtenir une forme de protection de la cour, car ne l'oublions pas, nous sommes en période d'inquisition, où l'inquisition sévit partout. Car ce que Nostradamus écrit dans son livre est dangereux pour lui à son époque. Ensuite, cette lettre sera suivie des 3 dernières centuries. Celles-ci sont dédiées à ce futur roi, et que lui seul pourra décrypter. Voici exactement le schéma démêlé de ce qui semble être un imbroglio créé par Nostradamus. Il représente exactement la clé complète de décryptage des textes. Chaque élément permet d'identifier un second élément, qui permet d'identifier à nouveau un troisième élément, et ainsi de suite. Chaque élément sera confirmé par le précédent, et confirmera le suivant. Ainsi, le pseudonyme de 11 lettres va donner naissance à la lecture du quatrain numéro 11, qui lui-même donnera naissance à la lecture du quatrain numéro 50, qui est nominatif, également à la lecture du 82, qui lui-même donnera naissance à la lecture du deuxième secret du pseudonyme, ainsi qu'au troisième secret du pseudonyme. Le quatrain numéro 11 également donnera naissance de la lecture du quatrain numéro 4. Le deuxième secret du pseudonyme nous apprendra à lire les quatrains. Le deuxième secret du pseudonyme indique également le principe de construction de la prose. Le 14 février 1989, les textes venaient de voir le jour. Cette date devait devenir pour moi un tournant décisif dans mon existence. Après 9 années d'études infructueuses, je venais de mettre à jour mon prénom, écrit phonétiquement, suivi des mots « mi-sens de la clé ». Le sens d'une clé, une clé, c'est ce que je recherchais. Les textes de Nostradamus livraient enfin une partie de leur secret. Car il s'agit bien de Nostradamus, l'homme qui a codé son œuvre de façon aussi prodigieuse. Un génie en lettres. Tous les jeunes peuvent comprendre l'œuvre de cet homme. Il avait prévu que son œuvre se révélerait un peu avant l'heure du SMS, langage qui détrône actuellement la trop sérieuse langue française. 60% des écrits, comme vous le constaterez, seront phonétiques, tout comme les SMS. La moindre lettre se prononce, le groupe de lettres se prononce, les pieds poétiques se prononcent de la même façon phonétiquement. Voici comment les quatrains se sont propulsés à travers le temps. Nostradamus avait incorporé des quatrains ni trop voilés, ni trop dévoilés, afin que ceux-ci soient reconnus à travers le temps. Ainsi, les écrits de Nostradamus traversèrent les siècles, transportant le lourd présage pour cette humanité endormie par son confort sécurisant, mais aveugle sur son devenir. Voici ces quelques quatrains. Voici le quatrain 35 de la première centurie. Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambellique par singulier duel, dans cage d'or, les yeux lui crèvera, deux classes, une, puis mourir, mort cruelle. La révélation temporelle commence lorsque survient la mort de Henri II, roi de France, en 1559, au cours d'un tournoi contre Montgomery. Nostradamus avait inscrit dans son livre publié en 1555, dans le quatrain 35 de la première centurie, 4 ans avant que l'événement arrive.
Beaucoup ont cru reconnaître la fin tragique du roi de France. Les faits sont similaires. La lance de Montgomery dérapa sur le casque du roi et pénétra par la fente de la visière du casque d'or que portait le souverain. La lance pénétra par l'œil en direction du lobe temporal. Henri II agonisa plus de 48 heures dans d'horribles souffrances. Voici une des plus belles révélations contenues dans un quatrain, écrite par Nostradamus 230 ans avant que l'événement ne se produise. Nostradamus fait la description de la famille royale, Louis XVI et sa famille, fuyant Paris, et ce terrible destin qui arrivera par la suite. Louis XVI entrant dans Varennes habillé en gris. Dans la quatrième ligne de ce quatrain, il inscrit le diminutif de Cap pour Capet. Il inscrit la fin tragique du roi en sang, la conséquence de la tête tranchée. Voici ce quatrain. Le quatrain 20 de la 9e centurie. De nuit viendra par la forêt de Rennes, de par Valtorte-Herne, la pierre blanche, le moine noir en gris dedans Varennes, Esle, Cap, cause, tempête, feu sans tranche. Cette révélation de la famille royale et la sentence terrible qui adviendra au roi et à la reine représentent une des plus belles révélations, avec une telle précision que les textes à nouveau referont un bond dans le temps, pour plusieurs siècles. Voici un quatrain très évocateur et très révélateur. Tout le monde pourra reconnaître Napoléon Bonaparte, le seul empereur qui soit né à côté de l'Italie, c'est-à-dire en Corse. Ce quatrain n'a rien d'élogieux. Nostradamus parle de Napoléon comme étant plus boucher que prince. Mais il permet aux centuries de pratiquer un nouveau bond dans l'avenir, permettant ainsi au texte de traverser les siècles. Voici ce quatrain dans la première centurie au quatrain 60. Un empereur naîtra près d'Italie, qui à l'Empire sera vendu bien cher, dont, avec quels gens il se rallie, qu'on trouvera moins prince que boucher. L'écriture que vous allez découvrir ne peut pas se comprendre en 5 minutes. Personnellement, j'ai mis 25 années pour isoler une grande partie des paramètres de ce langage. Ce principe d'expression devait traverser les siècles sans être découvert, car les événements et les prédictions commencent à partir de la fin du XXe siècle. Le premier quatrain l'indique clairement, et ceci afin d'avertir les nombreux bouleversements futurs de notre humanité. Nostradamus a créé la prose et ses cours d'enseignement incorporé à l'intérieur de ce texte. Ceci afin de nous permettre d'apprendre à lire l'avenir du monde. Nostradamus avait écrit des petits poèmes de 4 lignes. Ils seront les quatrains. Il les regroupera ensuite par 100, qu'il nommera centuries. Les centuries auront une importance capitale pour la construction de la prose. Les descriptions contenues dans les quatrains n'ont aucun sens et aucune suite logique. Il fallait donc envisager une autre forme d'expression et trouver les éléments indicateurs que Nostradamus avait certainement laissés. C'est ce que nous allons maintenant découvrir. Il fallait tout simplement prendre le livre à son véritable début, c'est-à-dire à partir du pseudonyme que l'auteur des centuries emprunte lors de la parution de son livre. Le pseudonyme Nostradamus cache en réalité 3 clés. C'est grâce à ces 3 clés que les textes se révéleront. Le pseudonyme contient à lui seul la façon de décomposer, de recomposer et la façon de lire les textes secrets. Ces mêmes éléments, présentés différemment, sont contenus dans la lettre à César ainsi que dans les 11 premiers quatrains. Le 22e quatrain, quant à lui, aura pour valeur indicative de compléter tous les textes. Nous devons interpréter les 3 fonctions du pseudonyme de la façon suivante. Le signifiant nous indique les 11 lettres du pseudonyme. Ces 11 lettres nous dirigent vers le quatrain numéro 11. Celui-ci va nous indiquer un mouvement de sens. Le cachant, ce sera Sumardartson, Nostradamus écrit à l'envers. Le parlant, ce sera Nostradamus écrit à l'endroit. Le parlant nous dévoilera une phrase très importante. Cette phrase sera l'exemple type
pour l'interprétation des quatrains. Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Cet exemple va nous permettre de définir le principe d'analyse à effectuer sur toutes les lignes des quatrains, à l'endroit et à l'envers, comme nous le verrons plus loin avec le quatrain numéro 50. Dans cette action, nous avons inscrit 12 fois le pseudonyme Nostradamus. Le premier mot, ce sera « no ». Le deuxième mot, c'est « austre ». En ancien français, désigne le mot « autre » avec apocope de « es ». Trada. Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français « traduction ». Il sera du même groupe que « tradito », « traditus », « traditio », « traditor ». Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons R. R sera le diminutif de R des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons AD. En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts, tout en restant efficace pour l'énoncé. Ici, il indiquera vers, les vers poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant vers pour nommer le mot vers poétique. Ensuite, nous avons Adam. Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. A sera pour le verbe avoir. Ensuite, nous avons âme. Âme avec apocope de E pour définir l'âme. Mus sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot musique, avec apocope de hic. Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et l'aphérèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. Mus, en ancien français, désignera aussi le mot bouche. Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons « us ». Ce sera « us » et « coutume » et « usage ». « S » tout seul, ce sera la phonétique de « être » pour le latin phonétique de « e2se ». Nous avons vu dans le tableau précédent, dans le pseudonyme Nostradamus, le mot « trada ». Nostradamus transmet l'information de façon étonnante. Il inscrit le début d'un mot. Ce sera à nous de le compléter. « Trada » va donner naissance à trado, à traditus, à traditio, à traditor et à traduco. Voici la signification de trado. Faire passer à un autre, transmettre. La signification de traditus, ce sera la tradition. Dans la signification de traditio, ce sera rapport, mention, action de remettre, de transmettre. La signification de traditor, celui qui transmet, qui enseigne. La signification de traduco. Tous ces mots découverts seront attribués au résultat du parlant. Il faudra faire passer à un autre, transmettre la traduction. Comprendre bien des choses. La tradition sera cette traduction. Ces mots font partie du troisième. Le rapport, la mention, l'action de remettre et de transmettre cette traduction. Trop tôt pour aborder. Celui qui transmet et qui enseigne cette traduction. Cette exception. Faire passer, traverser, conduire au-delà cette traduction. Il faut connaître absolument. Voilà exactement ce que Nostradamus veut exprimer à travers tous ces mots latins. Uniquement que Nostradamus ne voulait pas que ces textes tombent en de mauvaises mains. Rien n'était fait au hasard. Mus, à la fin du pseudonyme, nous apporte donc la certitude qu'il est le diminutif du mot musique, avec apocope de hic. Il représentera l'ensemble des syllabes
servant à désigner les notes de musique. Il sera l'exemple principal pour la construction de la prose selon le principe de l'hymne de Saint Jean-Baptiste. C'est Guy d'Arezzo, moine au Xe siècle, qui invente les premières notes de musique. Il les emprunte à l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Elles représentent les premières syllabes des vers de la première strophe. Voici la sélection des pieds pratiquée par Guy d'Arezzo dans l'hymne de Saint Jean-Baptiste. Les notes de musique sont inscrites en jaune. Voici la construction de la prose secrète selon le principe de Guy d'Arezzo et des notes de musique. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose, construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrète, zédude, seul reposé sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente 1 million de mots, et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour bien lire Nostradamus, il faut connaître tous les paramètres de lecture, c'est-à-dire les substitutions de lettres, les points voyelles, les points consonnes, et l'utilité de l'esperluette. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D auront le même principe. D égale B égale Q égale B et vice versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul et vice versa également. Les U seront égales à V. V égale U et vice versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, ou sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom
est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Nostradamus prédit de son vivant Napoléon Bonaparte et Louis XVI, événements qui arriveront 240 ans après la mort de Nostradamus. Il prédit également son décrypteur 440 ans après sa mort. Ce sera le plus beau cas de divination au monde, parce que vérifiable par tous. Il prédit également Jean-Marie Le Pen, François Hollande, ainsi que le président actuel, Emmanuel Macron. Toutes ces preuves sont présentes afin d'avertir l'humanité d'un grave danger. Nostradamus nous prouve ainsi qu'en prédisant des événements de son avenir, qui seront des événements de notre passé, il nous prouve qu'il est un véritable visionnaire, un prophète. Avec les preuves de ce puissant don de voyance, il est peu envisageable que les prédictions de Nostradamus sur l'avenir soient tronquées ou qu'il fasse erreur. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître, po, plus loin, et l'apostrophe on, qui pourrait être le diminutif de Poléon pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons Napoléon. Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant 16, indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. Il a mis ici le sens de la clé. Voici maintenant la page suivante de la prose, à droite de Napoléon Bonaparte et de Louis XVI. Cette page indique la présence des textes secrets. Maintenant, nous allons analyser la 21e ligne. Le début de cette ligne écrite en jaune ne peut pas être expliqué pour l'instant. Elle fait partie du 3e et 4e degré. Elle sera trop prématurée en explications trop complexes. Par contre, à l'extrémité de cette ligne, écrite en bleu, vous avez « mot croira ». Vous avez trois pieds poétiques qui indiquent « mot croira » ou « mot croisera ». Les deux sens sont bons. Maintenant, nous passons à la ligne 23. La ligne est soulignée en jaune, l'écriture est en bleu. Il est écrit « la vers parlant ». Les vers poétiques sont donc parlants. Ils parleront une langue. Nous arrivons maintenant à la ligne 26 et la ligne 27. Les pieds poétiques sont toujours écrits en bleu. Il est écrit « renomme, rend en langue par toi ». C'est-à-dire, Nostradamus indique qu'il faut réécrire les lignes, les rangs sont les lignes, par mon langage. Nous savons que grâce à la ligne 23, que les vers poétiques seront une langue différente de celle que nous connaissons, et il est normal de traduire ce langage. La ligne 31 représente un des nombreux jeux de mots que Nostradamus a écrit. Les pieds poétiques sont en bleu. Te fait duel
au sens, sensitif. Par cette ligne, Nostradamus explique que ce langage fait un duel au sens, c'est-à-dire qu'il est tellement difficile à comprendre que c'est une bataille sans arrêt pour comprendre les mots. Enfin, c'était une bataille pour comprendre les mots au début. Nous voici maintenant arrivés à la ligne 33. Les pieds poétiques écrits en bleu indiquent ceci. Donne clé, note trouvée. Donc, Nostradamus affirme qu'il donne la clé, et ainsi les notes seront trouvées. Dans l'écriture de Nostradamus, nous ne devons absolument pas tenir compte de l'orthographe, mais uniquement de la phonétique des mots, de chacun des pieds poétiques ou des groupes de pieds poétiques. Maintenant, nous allons voir la ligne 36. La ligne soulignée en jaune, les mots en bleu. Là, œil, mot, tresse, son. Donc Nostradamus indique ici que là, les yeux seront sur les mots tressés et ces mots tressés donneront les sons, tresseront les sons phonétiques. Voici, nous arrivons à la ligne 38. Les pieds poétiques sont écrits en bleu toujours, plus clé lue, plus la clé de lecture. Nous reprenons la lecture de la prose sur le passage concernant Napoléon Bonaparte, afin de découvrir l'expression. Dans les lignes 15, 16 et 17 de la prose sera résumée une partie de la vie de Napoléon. Certains d'entre vous constateront que Napoléon est inscrit correctement. Ce fut un véritable prodige pour Nostradamus de prédire cet événement qui devait arriver 250 ans plus tard. Voici les lignes de la prose secrète. Celles-ci sont restées dans l'ombre presque 5 siècles. Voici le contenu restitué des lignes telles que nous devions les comprendre. Napoléon savit faire pire régent. Géant de ce temps 1700, le sceptre Napoléon Bonaparte fera les scènes de Néron, on t'aide. Sur une île sera déféré et le décès. Il ne fera plus les lettres tressées de la loi qui furent l'héritage de la fleur de lys. Le roi XVI cessera. Nous allons analyser le début de la ligne 15 pour vérifier l'obtention des mots afin de comprendre cette ligne. La partie soulignée sera analysée à la page suivante. Poléon est écrit PO, plus loin L'ON. Maintenant, nous rapprochons les lettres l'une contre l'autre. À la place de l'apostrophe, nous ajoutons un E comme l'écriture de substitution nous l'indique. S égale F pour sa vie. FER devient le verbe faire. Ici, les deux pieds s'unissent pour faire le mot pire. Ici, les deux pieds s'unissent pour former le mot régent. Certaines lettres seront supprimées. Géant. Nostradamus inscrit le mot géant parce qu'il considère que Napoléon Bonaparte sera un géant de ce temps. Il sera un grand empereur. En tant que chef des armées, Napoléon Bonaparte tente de disloquer les coalitions montées et financées par le royaume de Grande-Bretagne qui rassemble depuis 1792 les monarchies européennes contre la France. Napoléon Bonaparte fera de nombreuses campagnes et organisera des paix successives qui mettront un terme à chacune des coalitions, renforçant ainsi la France et nommant à sa tête Napoléon Bonaparte à un degré de puissance jusqu'alors rarement égalé en Europe. La ligature, ou esperluette, sera ici le diminutif de temps. Et nous le verrons tout à l'heure, cette esperluette représente d'autres significations de lettres ou de groupes de lettres. 7 sera le diminutif de 1700, le temps 7. Nostradamus parle de notre époque en disant le temps 20. Alors le temps 20, V-I-N-G-T, c'est le 20e siècle, et le temps 20, V-A-I-N, sera le 21e siècle. 20 se lira de cette façon. 20, V-A-I-N pour 20,
Ensuite, nous avons les lettres internes AI pour faire E. Et ensuite, vous avez 1 pour faire 20 et 1. Sept sera également le diminutif de sceptre, car Napoléon Bonaparte avait le sceptre de l'Empire, le sceptre d'empereur. Nous savons par la conception de l'alphabet de substitution de Nostradamus que l'esperluette ou ligature correspondra à T, ainsi qu'à d'autres éléments que nous verrons plus loin, et vice-versa. Ce qui nous donne l'exemple suivant, T égale esperluette et esperluette égale T. Mais nous savons également que l'esperluette ou ligature deviendra un joker pour toutes les lettres de l'alphabet. C'est-à-dire que là où se trouvera l'esperluette, une lettre de l'alphabet peut prendre sa place. Esperluette égale T, T égale esperluette égale toutes les lettres de l'alphabet. La formule sera la suivante. Esperluette égale T égale ET égale TE et vice-versa. Il sera le diminutif de temps et de temps pour tellement. Et de plus, donc l'esperluette sera un joker pour toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, nous allons voir l'importance de l'esperluette dans le nom Napoléon Bonaparte. Maintenant, ce sera la même ligne soulignée, mais cette fois avec les explications des transitions phonétiques. Nous avons NAP, N-A-P qui s'installe. Ensuite, HOLD. Le H disparaît et un espace va se créer entre le L et le T, afin de créer le mot OLE. Dans cet espace, nous installons un E. Car nous avons vu tout à l'heure que le T égale l'esperluette, et l'esperluette est un joker pour toutes les lettres. Mais n'oublions pas non plus que l'esperluette donne naissance à ET, ce qui justifiera la présence du E pour faire E. ONT, ONT, s'installe. Le T disparaît, mais réapparaîtra plus tard. Voici le nom de Napoléon qui est inscrit correctement. Maintenant, nous reprenons le pied poétique écrit en bleu et installons PARTE, P-A-R-T-E, à côté. Les deux T s'effacent pour pouvoir installer deux esperluettes. Donc nous savons que l'esperluette est un joker pour toutes les lettres de l'alphabet. Maintenant, les lettres de l'alphabet vont s'installer à la place des esperluettes. Et regardez le résultat. La ligne numéro 16 sera une des lignes les plus faciles à lire de la prose. Dans les textes de Nostradamus, certaines lignes sont difficiles à lire, et d'autres beaucoup moins. Ce sera une des façons de faire évoluer et de parfaire la connaissance complète de ce cryptage, et ainsi faire connaître les sentences du monde. Fait, F-E accent aigu, devient fait, F-A-I-T, pour les faits. Et sera également le verbe faire, faire les faits. Deux reste des E, scène, la phonétique est bonne, on rajoute juste un S pour faire scène. Néron, Néron, le T s'efface pour faire Néron, l'empereur romain Néron. Nostradamus compare Napoléon Bonaparte à l'empereur romain Néron. Et c'est sa façon à lui de nous dire que Napoléon Bonaparte sera un empereur. Néron, sachons-le, à la fin de son règne, lorsqu'il était chassé du pouvoir, a mis fin à ses jours par empoisonnement. On a longtemps soupçonné que Napoléon Bonaparte avait été empoisonné. Ensuite, nous avons aide. L'aide, c'est l'histoire de Napoléon qui va nous aider. Mais c'est la fin de Néron, O-N-T, qui va créer le mot on t'aide, c'est-à-dire que Nostradamus estime qu'il nous aide grâce à cette page de la prose qui sera le principal cours d'enseignement afin de comprendre l'écriture définitive de la prose. Cette partie de l'histoire de France qui n'est pas encore arrivée à l'époque de Nostradamus, mais qui est dépassée de la nôtre de plusieurs centaines d'années, nous permet d'identifier l'écriture dans son ensemble et permet ainsi de mettre à jour l'histoire du monde que la prose raconte. Chacune des lignes de l'histoire de Napoléon nous apporte un élément différent permettant le décryptage des futurs textes. Cette ligne nous apprend
les répétitions de pieds poétiques permettant de construire le lexique de l'histoire. Fur sera compris dans le sens de sûr, être sûr quelque chose. Le F deviendra un S comme l'écriture de substitution nous l'indique. F égale S égale C égale CCDI égale PH. Et vice versa. Sûr sera le synonyme de certitude. Nous avons la certitude que Napoléon sera sur une île. Île, I-L, sera considéré comme île, une île, puisque effectivement Napoléon Bonaparte a été déféré sur deux îles différentes, l'île d'Elbe et l'île de Sainte-Hélène. Défait sera considéré comme étant défait sur une île. Et ensuite, diminutif de déféré, et ensuite avec l'alphabet de substitution, F égale S égale C égale CCDI égale PH, ce sera le décès sur cette île. Nous reprenons le pied poétique fait de défait pour l'installer devant plus. Fait devant plus sera considéré dans le sens de faire pour fera, fera plus, ou bien ne fera plus. Lettre. Nous reprenons le pied poétique « les ». Nous l'installons devant et nous reprenons les deux pieds poétiques ensemble pour faire les lettres. « Trait » sera le diminutif de « tresser ».« Tresser les lois ».« T » deviendra « l'esperluette » et « l'esperluette » deviendra « D » pour « dresser les lois ».« Loi » Nous avons « l'o » L-O, pour indiquer en ancien français « les ». Et nous avons loi pour les lois. Effectivement, Napoléon Bonaparte a créé le code civil et remanié le code pénal. Oir, sans le S, sera assimilé à héritier, héritage. Le S sera assimilé au latin E2SE pour le verbe être. Du, lif, le, F égale S pour le lis. La fleur de lys, le symbole de la royauté. Le roi Cès se prononce le roi Cèze avec un accent grave et apocope de E pour le roi Louis XVI. Cessera. Le roi Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793. Voici le résultat de mise à jour de cette ligne. La certitude sur une île déférée et défait sera son décès. Ne fera plus les lettres tressées et dresser les lois qui étaient l'héritage de la fleur de lys. Le roi Louis XVI cessera. Ligne 18. Cette ligne presque illisible concrétise l'emprisonnement de Louis XVI après avoir fui la capitale. Une course-poursuite sera organisée afin de le rattraper. Il sera prié d'aller en prison. Cette ligne commencera au début du texte en prose, se situera en dessous de la troisième ligne de Napoléon et sous la deuxième ligne de Louis XVI, ainsi que la ligne concernant Barras. Voici maintenant le décryptage de la ligne 18. Le début de ce texte se lit en deux parties différentes. La partie violette, là, ce sera là, présentement ici, et là, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les notes de musique. Pour indiquer ici les notes écrites, les notes papier. A, ce sera le diminutif du verbe avoir. L'âme, ce sera l'esprit. Et les mots, ce sera l'âme des mots, c'est-à-dire le cœur de l'expression des mots. Voici ce qui termine la partie violette. Où Nostradamus explique que cette ligne sera l'âme des mots pour définir ce qui va suivre. Maintenant, nous allons découvrir la partie jaune de la révélation. Là, ce sera là, ici. A, ce sera le diminutif du verbe avoir. Et ensuite, nous avons l'âme. Alors bien entendu, la lame sera représentative de la lame de la guillotine. Les mots seront les soucis, les problèmes du moment, les condamnations où on n'hésitera pas à trancher la tête.
Moule, ce sera le diminutif de l'empreinte, c'est-à-dire prendre une empreinte d'une forme. Là, c'est l'empreinte de l'histoire, qu'on racontera plus tard dans l'histoire de France. L'heure, c'est de l'heure, comme pour dire les leurs. Heure, donc les heures qui vont se produire. Sera, avec syncope de E pour faire sera. Raf, nous avons R-A plus loin F. Le F devient un C et avec apocope de E pour faire la race. À cette époque, les nobles estimaient être une race supérieure par rapport au peuple. Fort, ce sera fort. Fort, encore une fois, ce sera F égale C pour sort. Ce sera un fort sort. Horte, en ancien français, sera ignoble et repoussant. Tel, ce sera avec syncope de E pour tel. Et plus loin, laisse, L-E-S, ce sera laisse, L-A-I-2-S-E, dans le sens de laisser. O, A-U, ce sera O. Barreau, ce sera les barreaux, derrière les barreaux. Or, en ancien français, c'est prier. Roi, R-O-Y, c'est le roi. On priera le roi d'aller derrière les barreaux. Oi, ce sera entendre. On, ça sera le diminutif pour homme et vassal, en ancien français. V, ce sera en ancien français colère et malédiction. Et ce sera le diminutif de voir, en provençal. Grand, avec apocope de E, deviendra grande. La ligature, égalité, pour trad. Dans son alphabet de substitution, Nostradamus a incorporé un groupe de lettres qui permet de dissimuler encore plus profondément les mots. Ainsi, un D va se tourner dans tous les sens pour donner la lettre P, la lettre B, la lettre Q et également la lettre G. Toutes ces lettres peuvent avoir la même fonction, c'est-à-dire se tourner dans tous les sens. Un P peut devenir un D ou un B. Un B peut devenir un D ou un P. Et ainsi de suite. Il est très important d'apporter cette précision, car cette loi régit tous les textes. Ainsi, le mot trad bénéficie de cet alphabet de substitution, le D devient un P, pour faire trappe, qui désigne, en ancien français, course-poursuite, embûche et souricière. Délaisa, c'est le verbe délaisser. P, ça sera prononciation enfantine de peu pour pouvoir. Paris, avec apocope de S pour Paris, la ville de Paris. Effectivement, Louis XVI a fui Paris. Il a fui le pouvoir et fut arrêté à Varennes. Rite sera le diminutif de rituel. Méfon, ce sera F égale S pour maison, phonétique de maison. Fond, ce sera les sons, F égale S pour son. On, ce sera avoir, ils ont. Aussi, ce sera C égale S pour aussi avec syncope de S. L, ce sera la reine L, E2LE. Dit, ce sera le diminutif de dire. E, ce sera dire de E, le roi et la reine. Port, ce seront les ports. Horte, ignoble et repoussant. Il est vrai qu'à la Révolution française, les enculottes criaient partout que c'était la reine autruche et le roi cochon. On les insultait de toutes sortes de noms. On les traitait de porcs et ça a fait d'ailleurs de nombreuses chansons chantées dans les rues de Paris. Nous voici arrivés à la fin de la première partie de cette révélation décryptée. Voici le condensé de la révélation. Là sera la lame tranchante et des mots. L'empreinte de leurs heures sera la race. Et ce fort sortilège, ignoble et repoussant, sera tel, au barreau, on priera le roi d'y aller. J'entends les hommes et les vassaux en colère. Je vois cette malédiction, une grande course-poursuite, une souricière, des embûches. Il délaissa le pouvoir de Paris, les rituels et sa maison. J'ai les sons. Elle aussi laissera le pouvoir. On dira d'eux que ce sont des porcs ignobles et repoussants.
Ligne 17. Cette ligne, presque illisible, annonce la mort tragique de Louis XVI. Elle explique les excès de la noblesse et confirme que bien des gens auront connaissance de ces faits. Ce sera à la fois l'effet dramatique de l'exécution de Louis XVI et également la façon dont ces textes ont été cryptés. Cette ligne se situe dans la prose, dans la continuité de la troisième ligne de Napoléon Bonaparte. Voici l'analyse de la ligne 17 qui apparaît actuellement en violet. Loi. Nous avons au début, nous avons l'eau en ancien français pour les et loi plus loin pour les lois. Loi, ce sera entendre en ancien français. Is, en ancien français, ce sera ici même de cette manière. Voir, ce sera héritier, héritage. Voir, à nouveau, c'est entendre. Ir, ce sera, avec apocope 2, ce sera angoisse. Es sera être, du latin E2SE pour être. Et dû sera compris dans le sens de devoir, d'être indu. L'if, le F devient un S comme l'écriture de substitution nous l'apprend, pour indiquer la fleur de lys. LE plus loin R, c'est l'heure, les heures. Le roi cesse, cesse se prononce avec un accent grave et apocope 2, pour le roi 16. Donc ici nous parlons de Louis XVI. Cesse faire, le F devient un S pour cesser, cessera. Faire, FER sera le diminutif de faire, FAIRE. Heures seront les heures. RET en ancien français, c'est l'accusation, accusé. Tous, c'est tous, toutes les personnes. OU en ancien français, c'est cela. S plus loin E, ce sera compris dans le sens de savoir, je sais. Excès, avec syncope de C pour faire les excès. Subi, ça sera dans le sens de subir. Nous devons reconnaître qu'avant la Révolution française, la royauté a fait de nombreux excès que le peuple a subis. Voilà pourquoi Nostradamus inscrit ces phrases dans la Révélation. Et nous avons en deuxième position, subitement. Is, en ancien français, nous l'avons vu, c'est ici même. S, phonétique de E2SE du latin pour être. Mort, ce sera la mort. Horte, en ancien français, c'est ignoble et repoussante. Par, ce sera par. D, virgule AU, ce sera la phonétique de dos. La mort ignoble par le dos. Home, un home est un casque médiéval qui indique la tête. En rajoutant cette indication, Nostradamus fait bien comprendre qu'on retire la tête, la mort par le dos, au niveau du home. Mi, avec apocope de SE pour mise. Par, reste par. H, A, C, H, pour la hache. Alors effectivement, ici, Nostradamus parle de hache, parce que c'est très compliqué d'incorporer guillotine ou lame. Il indique un objet tranchant, car Nostradamus exprime de nombreux mots en très peu de lettres. Près, ce sera le synonyme de proche. Su, S' plus loin, UE, sera compris dans le sens de savoir. Aide, ce sera l'aide, et DE ou BE indiquera toujours le mot Dieu. Dû, ce sera devoir, dû compris dans le sens de dette, je dois. Bien, alors bien comprend plusieurs syllabes, plusieurs groupes de lettres internes qui s'analysent indépendamment. Tout d'abord bien, et ensuite vous avez IE pour yeux, et I devient un J. En ancien français, le I était souvent représentatif d'un J pour Jean. Alors bien des yeux des gens. C, ce sera dans le sens de savoir, je sais. C'est, le F devient un S pour c'est, C-E-S. Fait, F-A-I-C-T, pour devenir fait, les faits,
F-A-I-T-S. C'est-à-dire que Nostradamus affirme ici que bien des yeux des gens connaîtront ces faits grâce à cette écriture secrète et pourront donc voici identifier l'événement interprété qui est inscrit dans ce texte. Voici le résumé. J'entends les lois ici même de l'héritage. J'entends l'angoisse être sur le devoir de la fleur du lys. Les heures du roi Louis XVI cesseront, seront les heures de l'accusation. Tous connaîtront les excès subis. Et subitement ici même sera la mort ignoble par le dos, au niveau de la tête, mise par la hache. Proche de cette connaissance sera l'aide de Dieu. De ce devoir, bien des yeux, les gens connaîtront ces faits. Donc nous avons vu que le pseudonyme de 11 lettres nous dirigeait vers le quatrain numéro 11. Voici le quatrain numéro 11. Ce quatrain numéro 11, seule la première ligne nous intéresse. Il nous indique un mouvement de sens. Ce mouvement de sens, après la virgule, se fera à partir du cœur, des pieds et des mains. Bien entendu, si nous considérons ces trois éléments comme étant des organes humains, les textes resteront là où ils sont. Par contre, si nous les prenons au sens figuré, ici, le mot cœur représente le milieu de quelque chose. Également, nous ne devons pas oublier que nous avons un seul cœur. Et cœur sera représentatif de foi, de croire en quelque chose, avoir la foi. Pied, quant à lui, sera assimilé au pied poétique. Nous indiquera également le 22e quatrain. Le mot main sera assimilé à manuel, un travail manuel, et également à manuel, petit livre, résumant l'essentiel d'un art. Vous pourrez ainsi le constater, en mettant tous les éléments découverts, bout à bout, on s'aperçoit que nous obtenons un manuel complet de compréhension. Voici les sens d'écriture et de lecture inscrits par Nostradamus dans le quatrain numéro 11. Du cœur au pied nous indique de haut en bas pour la construction de la prose comme nous avons vu au début de cette émission. Des pieds aux mains nous indiquera une écriture de bas en haut pour la lecture de certains quatrains dans la prose. Des mains au cœur nous indiquera une écriture de droite à gauche et de gauche à droite pour certains quatrains et pour certaines lignes de la prose. Le quatrain numéro 11 nous éclaire d'une autre façon. Il nous révèle les quatrains les plus importants, révélant la fin du principe complet de décryptage. Ainsi, le mot cœur, contenu dans la première ligne du quatrain 11, un cœur nous indique la première centurie. Un cœur également nous indique aussi le quatrain numéro 1. Le cœur de quelque chose indique le quatrain 50, c'est-à-dire le milieu de la première centurie. Deux pieds plus deux mains nous indique le quatrain numéro 4. Deux pieds et deux mains nous indique le quatrain 22. Cœur, pieds et mains, ces trois mots totalisent 15 lettres et indiquent le quatrain numéro 15. Nostradamus est vraiment voyant et il le prouve. Donc il sait qui découvrira ces textes et à quel endroit ces textes seront découverts. Voici un véritable prodige digne de Merlin l'Enchanteur. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrains. Donc le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, tra s'inverse pour venir ar. En 2, nef ou naïf deviendra le diminutif de naître, naissance. F égale S pour naisse, naissance. En 3, T sera un diminutif. T sera un diminutif de tuer. C'est un argot national. En 4, cite sera le diminutif de citation. Diminutif et apocope de et.
En 5, pli désignera une lettre. En 6, li sera le diminutif de lecture et de ligature, une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre P, tri, que. Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, ti, ancien français, désignera tu. En 9, a sera le synonyme du verbe avoir. En 10, qu sera le diminutif de code, ancien latin. En 11, a sera également le verbe avoir. En 12, l'apostrophe de sera le diminutif de aider, de l'aide. En 13, de sera de. Et en 14, de de sera au même titre que be en ancien français, désignera Dieu. Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse, art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, liée. Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. Et en langage de notre époque, de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, Patrick, tu as le code en ayant l'aide de Dieu. Nostradamus savait très bien où les textes allaient être découverts. Il le marque dans la quatrième ligne du premier quatrain. Fais prospérer qui n'est à croire vain, voici le contenu de la quatrième ligne. Il suffisait simplement d'inverser les pieds. Les pieds poétiques s'installent, tels qu'on doit les inscrire à l'envers. En dessous, vous avez la signification de chacun des pieds. Cette écriture est entièrement phonétique. C'est-à-dire que ce sera à nous de remettre dans le contexte de notre langage actuel. Prof bénéficie de la lettre de substitution S, F égale S, et apocope de E pour faire prose. Voici le résultat de notre découverte. Un varois qui croira aura le nez, et l'année qui à 7 heures repère la prose faite. Qui fait prophète. Voici la révélation selon le deuxième, troisième et quatrième degré. La ligne traduite sera écrite en bleu. La révélation du contenu crypté en langage de notre époque sera faite bien avant les analyses. Ainsi, nous pourrons découvrir les mots utilisés pour créer ce texte. Faire cela en ayant l'âge de tes pouvoirs pour la prose. Professeur de l'ère des mots haussé en espérant ce pouvoir. La peur en ces heures sera de errer et de faire erreur. En ces heures requises, il faut prier et réclamer ce code. Et avoir les visions qui seront de naissance. Naîtront les usages qui seront à croix. La première à accroître cette connaissance. Il faut croire en l'ère des mots élevés et entendre l'héritage d'angoisse. L'ère des mots rêvés sera en égalant et en comparant. Ceux-ci iront au XXIe siècle, en ayant l'époque première. Voici la révélation selon le deuxième, troisième et quatrième degré. La ligne traduite sera écrite en bleu. La révélation du contenu crypté en langage de notre époque sera faite bien avant les analyses. Ainsi, nous pourrons découvrir les mots utilisés pour créer ce texte. Un varois aura cet art de l'ère des mots recréé, l'essai de la connaissance, croire en l'ère des mots et entendre l'héritage des lignes, seront les années qui naîtront de ces usages. Sera cette recherche et cette demande afin d'obtenir les visions d'hier. Les heures seront repérées dans l'ère des mots.
le pouvoir du père et les heures de la peur de ses heures par le pouvoir de la prose, professeur de l'ère des mots par cet usage, haussé et refait, cet effet fera devenir prophète. Dans la ligne du quatrain numéro 1 que nous venons d'analyser, Nostradamus avait dissimulé une date. Ici, nous avons inscrit 24 fois la ligne écrite à l'envers de la quatrième ligne du quatrain numéro 1, le premier quatrain de toutes les centuries. Les mots cachés sont écrits en jaune et soulignés en jaune. Et la deuxième datation, vous l'avez sur la colonne de résultats, écrit en jaune. Savoir, ère, l'époque, roi, entendre, l'angoisse, Iran. Voici la révélation en langage de notre époque. En premier, cela ira dans le Var, cet art en ayant recréé cette connaissance. L'époque sera quand, d'un roi, vous entendrez l'angoisse en Iran. Les lignes donneront ces années de ces usages qui seront tes codes. J'ai eu les visions par les yeux hier et ces heures ont été repérées. Nostradamus décrit ici les soucis et les angoisses du Shah d'Iran qui en 1979 a fui l'Iran. Le livre de Nostradamus m'a été offert en 1979-80. Mes premiers travaux ont commencé en 1980 et le Shah d'Iran décédera 15 mois après sa fuite de l'Iran, après son exil en France. Afin d'éclairer une partie du mystère, nous sommes contraints de retourner au quatrain numéro 11 pour un dernier élément que nous n'avons pas expliqué. Cœur, pieds et mains. Cœur est composé de 5 lettres. Pied, composé également de 5 lettres. Main sera également composé de 5 lettres. Ces 3 fois 5 lettres nous donnent le chiffre 15. Et c'est au 15e quatrain, à la 4e ligne, que nous allons découvrir une phrase. Cette phrase, une fois inversée, révélera son contenu et ne comportera que 3 fautes d'orthographe. Cette ligne s'adresse à cette personne qui vient dans l'avenir. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots. Re, temps, dendron, vous, Henri, II, qui, us, c, plus, e. En 1, ré sera itératif de recommencement. En 2, t'entendron, t'entendre à nouveau. En 3, vous, il manque le s, apocope de s. Il y a vouvoiement. En 4, Henri est écrit sans le H. L'analyse sera plus profonde au chapitre suivant. 2 également, l'analyse sera plus profonde au chapitre suivant. En 6, qui, toujours pareil, Q plus U et I pour U égale V, que voir. En 7, Ux, X égale S, Us et coutume. En 8, C dans le sens de savoir, phonétique de C. En 9, plus, le P représente le pouvoir, l'U représente la lecture, le US sera l'usage et le mot entier plus. Pouvoir, lecture, usage, plus. Et en 10, E se transforme en E avec syncope de S pour être, qui sera plus. La fin de cette phrase exprime à elle seule l'être qui de tous sera plus. Nous allons maintenant découvrir qui sera réellement Henri le deuxième. Nous allons maintenant nous servir des points voyelles et démontrer leur fonctionnement en colonne. Dans la colonne, vous avez les voyelles qui apparaissent A, E, I, O, U, Y. Maintenant, nous installons Henri. Nous supprimons le E et nous mettons N-R-I devant chaque point voyelle. Nous obtenons Henri, Henri, Inri, Honri, Unri et Inri. Deux,
D'EX, perd l'apostrophe, définira le mot deuxième. Ensuite, deux, perd l'apostrophe, le X devient un S pour deus. Ensuite, deus, en latin, indiquera divinité, dirigeant, chef du troupeau. Cet homme qui vient dans l'avenir sera assimilé à Inri le deuxième. Il sera la divinité, le dirigeant, le chef du troupeau. L'acronyme Inri désigne Jésus le Nazaréen, roi des Judéens. Ces quatre initiales confirment bien le message de retour de l'Esprit-Saint. Nostradamus lui prodigue de nombreux conseils dans les quatrains. Nous venons de voir le message dissimulé dans le quatrain numéro 15. Maintenant voyons le message écrit dans la lettre à Henri II, qui, je le rappelle, ne s'adressait pas au roi de France de l'époque de Nostradamus. Elle n'était qu'un subterfuge. Voici ce que Nostradamus écrit à ce roi. Jusqu'à l'avènement qui sera après au commencement du septième millénaire. Nous sommes entrés depuis un petit moment dans le septième millénaire. Le septième millénaire correspond à la septième semaine de la Genèse. Un peu plus loin, il écrit « Le tout a été composé et calculé en jours et heures d'élection, et bien disposé et le plus justement qu'il m'a été possible. » Donc Nostradamus a entrevu cet homme. Il a composé surtout la fin de ses écrits en jours et en heures d'élection. Il les a inscrits le mieux possible afin d'éclairer cet homme. Pendant longtemps, l'auteur des Centuries a douté sur les origines d'un être très souvent présent dans ses visions. Il ne savait pas si celui-ci était un homme, un ange ou un esprit. Et subitement, il fut éclairé et transporté devant cette personne, qu'il décrira ensuite comme étant le premier monarque de l'univers. Nostradamus prédit l'avenir de cet homme et lui dédie les trois dernières centuries. Mais celui-ci ne restera que peu de temps. Son règne sera de courte durée. Mais il n'en sera pas moins marquant. Voilà, maintenant nous sommes arrivés au terme de la première partie de cette conférence, en espérant que certains d'entre vous ont compris le sens philosophique de ces textes. Je vous remercie d'avoir participé à cette conférence.